Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que tu as, toi? Du Decades Challenge. Oh, nous avons Arthur qui a besoin de se laver, il pue. Il trouve qu'il sent mauvais. Ce qui est pas faux. Donc il prend un petit peu de bubule et se lavouille. Et où en étions-nous dans cette galère du Decades Challenge? On a déjà Pierre Nard qui est debout. Pierre Nard qui est exactement dans le même état qu'Arthur. Franchement, voilà. Et Pierre Nard mange. C'est parfait, parce que après tu pourras aller faire ce que tu dois faire dans ta petite salle d'eau. Tu manges ton truc, tu te dépêches, et puis je t'enverrai pisser. Et prendre un bain de mousse. Gustave est aussi levé. Alors on est mercredi, donc aujourd'hui les gosses vont à l'école. C'est parfait. Et je ne me souviens plus dans combien de temps. Ouah ! Oh la vache ! Oh là là, l'épisode prochain. L'épisode prochain. L'épisode prochain, les enfants, on va passer en 1910. Ok, je suis pas prête du tout. Je vous le dis, je ne suis pas prête. Ça risque... Ok, Louise, tu dois impérativement te trouver... Marie, on s'était dit que je pensais être sur Vincent. Extraverti et adore la nature. Donc pour l'instant, il n'a pas trop des traits pourris. Mais est-ce que je la mettrai pas en congé aujourd'hui et qu'on aille se balader un peu partout pour voir s'il n'y a pas d'autres mâles. Et la dernière fois, j'ai pas été dans mon parc parce que les arbres sont magnifiques. Et j'avais pas eu le temps d'y aller. Attends, mais toi, Coco, t'as mis ta super tenue que tout le monde va t'envier. Hein. Donc c'est bon, tu peux aller manger. Est-ce que vous aviez pas vu Arthur dans sa super tenue? Ah bah oui, vous disiez que Albert, je l'avais pas respecté. Mais oui, mais bon, Arthur non plus, je respecte pas. Hein. C'est comme ça, hein, c'est le Decades. On utilise des tenues qu'on n'utiliserait jamais. Parce que dites-moi dans quel autre... défi, challenge, histoire avec les Sims, vous allez mettre cette tenue-là à un ado. Alors là, franchement, j'attends vos exemples dans les commentaires. Sinon, eh ben, vous pouvez vous taire. En plus, ça rime. Oui! Alors, je viens de voir ça, et il y a deux trucs que je n'ai pas fait. Que, honte à moi, je n'ai point fait. C'est qui, toi? Je peux pas te prendre. Alors, déjà. Non. Non. Je ne sais plus. Où est-ce que j'avais trouvé... C'est pas ici non plus. Chose. On m'a dit dans les sculptures dans le jardin. Et je pense que c'est ça. Parce qu'en plus, je suis retombée dessus par hasard pendant des constructions. Et je me suis dit, bah oui, bah c'est ça que je cherchais et que j'avais pas trouvé. Donc on va rajouter ces choses. Oui, non, je le vois pas. Il n'y est point. Sinon, il y a un truc que je vais faire très simple, c'est que je vais trier par pack. Ou alors, truc de... comme ça? Il y a peut-être moyen. Vous allez vous dire, mais quoi elle parle? C'est le machin tonnel en rondin de bois du pack... jungle. Je voudrais voir si je peux mettre le truc du singe. Du linge en dessous. Pas du singe. Oui, alors ça va me saouler. Hein, on va faire ça. Filtrer les éléments. Pack. Dans la jungle. Voilà. Afficher tout. Là, il n'y a aucune raison. Donc c'est pas ça, mais c'est le truc qui tient sur pied. Là! Zeltoff. Ben, ça passe, hein. Il y a moyen, hein. Il passe en dessous. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Moi, je voyais bien, du coup, mettre ici. Ouais, mais... comment dire? Déjà, ça va gâcher un peu les fenêtres.
Parce qu'en fait, je voulais la coller à la maison, mais déjà, ça va pas vouloir. Mais pourquoi ils y accèdent de ce côté-là, le côté plus large? Moi, ce serait logique que je le mette pas comme ça, en fait. Bah, c'est pas très beau. Hein. Je pourrais le mettre pareil au fond du jardin, mais derrière la maison, ça va faire loin pour le linge. En plus, comme ça. On s'en fout, on a qu'à le coller à la chambre des gamins. Ils s'en foutent d'avoir une fenêtre. Bon, on va mettre ça là. On va choisir la couleur qui aille avec la maison. Donc, il n'y a aucune couleur, bien sûr. Bon, bah, non. Celle-là. On va mettre celle-là. On va mettre le linge. Un de choubilou, parce que de toute façon. On va mettre les deux cordes à linge. Et comme ça, il y en a une qui sera sous l'eau et l'autre, elle sera pas. En direct live. Ça passe, hein? Parce que je me dis comme ça, quand il pleuvra et tout, ben on aura une corde à linge. Je vais mettre à côté plutôt. On aura une corde à linge qui sera pas sous l'eau. Et est-ce que je peux tricher? Non, mais si, tu vas bien vouloir, regarde. Comme ça, il y aura une partie qui sera hébergée. Oui, ben, vous m'avez compris. Je vais enlever la grille. Et puis, on va mettre en bassinette. De toute façon, on a une sortie ici, donc ça fera moins chiant pour Joséphine. Ah bah non, ce sera plus Joséphine. C'est plus Joséphine qui fera la lessive. On est OP là-dessus. Et petite chose qui manque. Cette fois-ci, pas dans la jungle. R. Saison. Franchement, depuis le temps que je l'ai vu, je sais que je veux le mettre dans la maison et je ne l'ai pas encore fait. La balançoire, quoi. Ça existe depuis quand même longtemps. Avant, c'était dans les branches d'arbres et tout. Là, ok, on n'a pas la branche d'arbre. Vraiment, je fasse des travaux pour encercler le jardin parce que là, c'est pas jojo. Peut-être pour l'épisode prochain si je me motive. Et on va choisir bien sûr la plus celle-là, c'est celle qui fait plus fait plus acier que bois, mais ouais, vous auriez pu faire un truc en bois, hein, les Sims. Bon, on va prendre ça. Ouais. Et je trouve ça pas mal. Les abeilles, on a. Ça, j'aime bien. On va mettre ça dans la chambre de Louise. Bien sûr. Hein, au moins qu'on agrandisse la chose. Ouais, c'est mignon. Il suffit pas de grand-chose, mais c'est mignon. Est-ce qu'on a des trucs dans l'inventaire de famille? Non. Pierre Nard n'a rien. Ouais, c'est centré, hein, oui. Un petit peu quand même. Tout petit peu. Voilà. C'est mignon. Ça fait le taf. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un poteau, tout ça. Non. On s'en fiche. Bon, les petites loupiottes. Ah oui, les barrières. Vraiment, là, la clôture. La clôture comme ça. Non, parce qu'en fait, j'avais fait des poteaux. Et on n'avait pas une clôture comme ça? Pourquoi ils nous sont des clôtures C'est bizarre cette histoire. Des clôtures avec de la pierre, peut-être celle-là. Qu'on pourrait faire. Bon, j'ai pas prévu de faire de la construction aujourd'hui, hein, dans le decade, j'en ai déjà fait pas mal. Allez! Mais non! Mais non! Remets-moi mon mur! Fichtre! Donc j'en étais avec celui-là. Et ouais, c'est parce que j'aimais remplacer. Est-ce que ça le fait? Ou est-ce qu'on choisit un plus rustique? Oui, mais non, mais je dis celui-là! T'es con! Ouais, non, mais on n'est plus à l'âge de pierre, quoi. Je trouve quand même que l'autre, il est plus sympa. Pas, on est parti. On fait, ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Chouk, chouk, d'accord. Ça marche pas comme ça. On va nous faire une petite barrière ounette comme ça.
Tac. Bon, j'espère que ça va pas juste nous, tout nous péter là dans la maison, hein. Ce serait dommage. Non, logiquement, ça tout passe. Par contre. Ouais, je voyais pas assez ce que je faisais. Non, 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 non. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle est lente. Est-ce que je veux quand même mettre les. Ah! 8000! Mais qu'est-ce que j'ai supprimé qui vaut autant? Mais sinon, je vais y aller à la main. Ouais, non, mais là, ça m'agace. On va faire ça tranquillou bilou nous-mêmes. Hein. Ah! Les herbes, elles coûtent 1700! C'est une blague. Elles coûtent 32. Qu'est-ce que je suis foutue? Mais non, c'est vrai que c'est le coup de la clôture. Oh là là, moi je suis fatiguée aujourd'hui. Hein. C'est le week-end. Parce que j'enregistre l'épisode le week-end. Eh bien, ça me fatigue. On va faire, voilà. Là, au moins, on va encercler la maison. Tu peux bouger, Bertrand, ça va? On va encercler la maison. Voilà. Mais non! Cassez pied, toi. Hein. Et donc, le petit tas de feuilles, par contre, on peut pas le virer. Et bah, c'est pas grave. Hop! Il a disparu, Lulu. Nous voici avec notre maison un peu. Bon, là, on peut ni entrer ni sortir. Mais au moins, on a notre petite clôture. Ça, par contre, je vais utiliser ça. La version rustique comme ça. Ouais, mais du coup, c'est pas du tout la même couleur, on est d'accord. Ce serait quoi le portail associé? Il n'y en a pas. Bon, je vais mettre ça. On va changer la couleur. Ça, c'est bien, ça passe. Monsieur fait de la petite lumière. Oh, c'est chou. Par contre, ouais, ça me stresse parce que c'est que deux places et je peux bien sûr pas centrer face à la maison. Ça m'énerve. Est-ce qu'on ferait pas. Non, bah écoutez, hein, on va rester comme ça. Une petite peinture de terrain, peut-être? Qu'est-ce qui est classe, le gravier stylé. Voilà, bon. Fait comme on peut, vu que c'est pas centré. Voilà. Comme ça, à la maison, ça va. On a nos arbres dans le truc et tout. Et puis, on verra plus tard pour mettre autre chose. Ah, mais non, c'est ma balançoire qui a disparu! Fichtre! Oh la vache! Attendez. Bla. Non, c'est balan. Voilà. Balan. Soir. Qui est donc ici. Eh, ils ont espéré quoi là? Me la faire à l'envers ou quoi? Ouais, donc une prochaine fois, on va peut-être arborer le reste du jardin. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Bon, c'est une bonne chose de faite. Verrouiller la porte. Bloquer un signe spécifique. Très bien. Donc oui, je vais remettre ça comme ça. On est reparti pour la vie de notre petite famillette. Lui, il est parti. Ok, il est parti se laver. On a Germaine qui est debout. Germaine, au petit-déj, elle prend des petits pois. Lui fait ses devoirs. Ah, bah, c'est bien, hein? C'est très bien. Toi, t'aurais besoin de te divertir. Donc, non, c'est trop tard, tu dois aller à l'école. Bon, elle aura le temps de rien faire, Albert. Ah, oui, donc, non, non, toi, tu vas pas venir. Oui, tu dois sécher l'école et on va te faire prendre un jour de congé, cocotte. C'est là. Voilà. Ma petite Louise, tu n'iras point au paradis. Tu iras surtout pas à l'école, en fait. Yeps. Bon, on dira pas, hein. Elle prend le téléphone pour ne pas aller à l'école. Ça passe. Alors, t'as besoin de te divertir, cocotte. Non, 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 non! Pierre Nard! Ah, Pierre Nard! Je vais te défoncer la gueule. Va entretenir le jardin.
Ça te fera les pieds. Est-ce que du coup tu peux aller... Oh oui, tu peux faire des balançoires, vas-y! On veut voir ça, la balançoire. Va être contente. J'espère que ça vous donnera pas le mal de mer. En tout cas, ça lui remonte bien son divertissement, donc c'est cool. Essayez de faire une photo, mais ça risque d'être compliqué. Oh putain, elle va beaucoup trop vite. C'est super, et les animaux... Oui, c'est trop cool. J'avais peur que ce soit que les enfants qui puissent... On avait vu que les enfants... Bref, ma jolie. Du coup, elle a... il a déjà fait fini son jardin, lui. Tu vas nettoyer ça après. Les baignoires ne sont pas sales. Ah, jour de contrôle, on s'en fout. Non, tu vas pouvoir. Très bien. Lui, il va retourner à son jardin, je pense. Il va parler à une plante. Très bien. Joséphine, tu manges tes petits pois, les petits pois de ta fille. Je crois. De Germaine, effectivement. Après, t'iras pipiter aussi. Manger du miel. Et est-ce que tu peux nous faire un gâteau au miel? Est-ce qu'on en a du miel? Cuisiner. Oh, j'avais pas vu. On les ignore. Gâteau au miel. Non, alors c'est dans le frigo qu'il faut mettre le miel, je pense. Est-ce que du coup tu peux le faire maintenant? Ta 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 ta. Et je ne le vois pas. Oui! Allez, tu vas me faire un petit cadeau avec un truc au miel. Bon, tu peux arrêter de faire ta balançoire, hein, par contre. Laissez tomber. Je suis sûre que c'est la voisine qui fait chier. Ah non, c'est pour les enfants, pardon. Piratage informatique. Ah bah oui, bien sûr. On va augmenter la résolution de conflit pour Alberoun. Toi, ouais, arrête ta truc, tu vas nettoyer. Ça quand même, ça l'a quand même remonté. Pierre-Nard, tu peux faire évoluer. Il a plus besoin d'être à côté pour faire évoluer. Ok. Ah, c'est marrant. Attendez, il y a encore un truc qui clignote. Là. Et tu vas faire une super vente, s'il te plaît. Pendant que mon linge y sèche derrière. Plutôt pas mal. Hop! Non, non, cocotte, tu tapes là, allez, tu vas prendre un bain. Tu vas aux toilettes, tu vas te laver les dents. Voilà, tu te fais belle. Joséphine, t'aurais pu finir tes petits pois. Hein. Voilà, mange tes petits pois. Et lui, il a pas pris ses devoirs. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Le génie. On va aller chasser du mal. Je reviens pas qu'elle va devenir jeune adulte. Ça me fait mal au cœur. Toi, t'as quoi dans ton truc? Mais t'avais pas des tabourets là, des... On les a plus? Tu as fabriqué des guéridons parce qu'on va les mettre dans les chambres en haut. Comme ça, hop, et tu vas refaire la toilette. Déjà pas mal. Discuter. Bah écoute, si tu veux. Dépêche-toi, Louise. J'ai du mal à passer. Je vous avais dit que ce petit tabouret, il allait servir. Maintenant, on a Joséphine qui se plante là et qui discute avec son mari. Et elle est toujours pas prête parce qu'elle a eu faim. Louise, donc forcément. Dépêche-toi et puis tu vas faire la vaisselle après, t'as raison. Dépêche-toi, il est 13h, on n'a rien fait de la journée. Ah non, 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 mais alors attends, on va en profiter, tu vas nettoyer.
Toi qui aimes ça. Allô? Allez? Voilà, et puis ça remonte son divertissement. Et on va aller se balader. Ouais, je sais plus moi comment on fait. Alors, allez. On va. Ah bah oui, dis donc. C'était Vincent quand c'était dit. Non mais tu vas y aller toute seule au cas où on ferait des jolies rencontres. Qui sait? Waouh! Regardez comme c'est beau! Ça, c'est mon parc en automne. C'est magnifique. Il y a plein de feuilles partout. Vous voyez, même les textures des autres, des buissons et tout, ils sont un peu fades en fait. Est-ce qu'il y a du monde qui va venir? Là, c'est la version juste. Ouais. Il n'y a pas de salle de réception. Ah! Qui c'est donc? Sam Crawford, c'est un adulte. Tu peux déjà te présenter. Peut-être a-t-il un cousin, un oncle, un petit gars, un petit frère, un fils. Oh, Limpima. Frimé en montrant ses muscles, vas-y, qu'on rigole. Rosa. Oh, your voice. Ah, il y a une voiture, on n'a rien vu. Mais bon, pourquoi il n'y a jamais personne dans mon parc? En même temps, il y a tellement peu de foyers. Je suis d'accord que... Oh, j'avais jamais vu. Non, regardez, il y a du monde. Apparemment, Gustave a un A. Emma Lambert. Germaine est de retour à l'école. Arthur a un B. Et B pour Albert. Donc c'est plutôt pas mal. Albert s'en sort finalement un peu bien. Tu es Emma Lambert. Toi, ouh la vache. Tu es Darsh Joyson. Je ne sais pas qui tu es. Ici, il y a du monde à la bouffe. Alice Crawford, Esther O'Connell, Rose Crawford. Et là, on a des mecs. Mac Duvermeil et Charles de Monte. C'est un ado. Faites voir. Ça n'a pas l'air mal tout ça. Bah, viens ici te présenter. On n'est pas. Eh oh, eh! Attendez. C'est celui-là? Mais non! Oh non, dis pas qu'on a perdu le mec! C'était où, c'était là? C'est lui. Non, c'est pas lui. Oh! Oh! On a perdu du Amal. Non, il est là! Il est là, il est là, il est là! Il est là! Tu peux aller te présenter. En plus, on verra mieux. Excusez-moi. Il est très enjôleur. Ouh, tout, 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 tout. Pas mal. Il a une voix de fille? Il est super bien habillé avec un pull. Il a une voix de fille! Ça va pas être possible! Ça va pas être possible! Une voix de fille! Non! Non, ce n'est pas possible! Ah! Julien Garnier! Hop! Lui aussi, il a une super tenue, hein! Attendez! Ouh! 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 Hey! Oh! Ah! Mais... Il est plutôt beau gosse, hein? Hein, tu vas te présenter plein de fois là. Ah, je préfère lui, hein. Malgré sa tenue. Putain, par contre, il est bronzé. C'est le mec qui vient du sud, hein, ça se tend. C'est un niçois, celui-là. Hein. Ah non, et plutôt pas mal. Non, parce que bon, si demain c'est son anniversaire, je peux vous dire que... Et le lendemain, hein. Est-ce que ça va être long? D'attendre les années 1920, donc autant commencer tout de suite. Attends, on va faire censer sa carrière. Raconter une histoire délicieuse. Une histoire drôle.
Parler du temps nuageux, il y a un mal derrière aussi là. Discuter des centres d'intérêt. Charles de la Fortune, c'est un adulte, donc ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il y a du monde dans mon parc? Ah bah oui, il y a lui du coup. Charles de Monte. De Monte. De Monte. Il n'y a personne d'autre. Hein. C'est un peu chiant hein, qu'il n'y ait personne comme ça. C'est un peu chiant. Et là, il n'y a plus personne. Pire, on changera vite fait de quartier. Là. Ah bah non, c'est encore le marc de la merveille, là, je sais pas quoi. Non, du vermeil. Puis il donne pas envie. Il donne pas envie du tout. Ah, là, il y a du monde. Nous avons Grace Crawford, Charlotte Martin. Oh, c'est une scout! C'est vrai que j'ai pas encore fait le scout. Ah, oh. Jameson Huffman. Ouh. Ouh. Il y a du beau mec hein, dans le coin quand même. Hein. C'est une machine à danser. Julien est une machine à danser. Ah, il est scout aussi. C'est marrant, ils sont tous scouts. Oh, les arbres sont trop beaux. T'es qui toi? Pierre Robert, ouais, t'es un adulte. Ouais, juste regarder ton physique. Non, ça ira. Là, on est sur du adulte, c'est celui de tout à l'heure. Oh, Charles de la Fortune, effectivement. Bon. On fait un peu le tour. Il y a une petite qui est là. Claire de Monte. De Montée. Je sais pas, de Monte. Ça va être la sœur de l'autre gars. Bon, il suffit de sortir un peu de chez soi, vous voyez, puis on arrive à trouver du mal. En tout cas, ils viennent pas dans mon parc, hein. Mais une fois qu'on leur parle, ça y est, ils n'en peuvent plus, quoi. Mais lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, hein. Julien Garnier. Non, 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 tu lui parles. Vas-y. Non, non, tu. Non, 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 non. Tu lui parles. Discute de s'enthousiasmer pour des centres d'intérêt. Illumine la journée. Parler du temps nuageux. Ben non, c'est celui de tout à l'heure. Regardez, les feuilles tombent. C'est beau. Je m'émerveille. Ah bah. Il fait chaud. Et nuageux. Tu sais quoi? Tu devrais un peu être drôle, je sais pas. Demander de passer du temps ensemble. Comme ça, il ne s'en va pas. Je l'aime beaucoup, ce garçon. Demander de regarder les nuages. Ouais, je suis les. Mais oh, je vous entends, vous là, derrière votre écran, de dire oh là là, oh là là, et comment il est fringué. Ben oui, mais bon, moi je trouve que c'est une tenue qui est très bien. Voilà, tu vas faire tout ça, ma cocotte. Il va rester un peu avec toi. C'est une belle histoire d'amour qui commence. Discuter des centres d'intérêt. Décrire la nouvelle idée. Raconter une histoire délicieuse. Finalement, le Vincent, hein, c'était Vincent, je crois. Il a du souci à se faire. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu nous traverses, hein? Doméo. Demandez à jouer dans la fontaine. Allez. Allez vous émoustiller. Du coup, l'autre, on l'a perdu. Hein. C'est qui celui-là? Sam Crawford. C'est encore un autre adulte, donc ça va pas être possible. Exprimer son admiration. Et on s'entend bien quand même, hein. Flatté. Enlacé. Allez. Amour. Flirter. Oh ma petite Louise, hein, tu vas devenir une femme. Ouf. Oh.
passer. Je suis pas sûre. Elle aussi, elle peut faire crac-crac dans le buisson? Depuis quand ils peuvent faire crac-crac dans le buisson, les ados? Conversation profonde. Faire des grimaces, ça va te remonter peut-être le... Ouais... Amour, on va recommencer. Complite son app... Complite. Complimente. Oh, yeah, je vais y arriver. Son apparence. C'est comme ça que tu dragues, meuf? Putain, même moi, je fais mieux, quoi. Et crois-moi, je suis vraiment l'intérêt. Ça va. Bon, alors, il aime bien Flirt. C'est un scout, machine à danser, génie, c'est un ami. Donc, il devrait aimer ça. Hein. Complimenter l'apparence. Alors? Ah! On a trouvé son mari. Et puis, il commence à faire... Oh, dis donc, par contre, tu vas lui dire au revoir parce que là... Tu vas offrir un cadeau romantique. Tu veux un monsieur miaou? Un projet scolaire? Ah, ça me fait sans rire. Avant qu'il parte. Oh, tu vas. Est-ce que tu peux flirter seulement? On va dire que voilà, ils sont amoureux et tout, et puis. Technique de drague. Et puis voilà. Et on sera donc mariés avec Julien Garnier. Je trouve ça pas mal. Pff, voilà. Je vais très très rapidement. Je vais pas tenir avec ça. Mais non, mais attrape-le. Premier baiser! Premier baiser, premier baiser. Oui, 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 premier baiser. Viens! Devant chez les voisins. Louise! Où est-ce que vous allez aller pour vous embrasser? Dans le parc. Dans mon église, vous faites ça chastement. Oh, attendez, 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 attendez. Moi, je vais faire la plus belle photo du monde, hein. Attendez, attendez. La plus belle photo du monde. Regardez avec ça, c'est beau. Voilà, on va se contenter que d'un seul bisou. Par contre, je suis pas très contente. Comme ça, c'est bien. Oh. Voilà. On va bouger. Ah oui, du coup, ça casse un peu l'ambiance, mais... On va changer d'angle. Il est surpris, genre, ah bon? T'as choisi, et maintenant ton sort est scellé finalement. J'ai trouvé mieux que Vincent, je sais plus comment il s'appelait. Juste que c'était Vincent. Je suis désolée, hein, ça va durer 3 plombes parce que j'ai envie de faire des belles photos pour me souvenir de ces. Voilà. Je sais plus comment on fait pour aller de. Pour descendre en fait. Vu que je suis pas avec la caméra Sims 3, donc c'est vrai que. Et voilà, les amoureux. Tu peux lui dire au revoir et se tenir par la main. Oh oui. Oh oui, je pourrais... Ça serait tellement mignon. Maman, papa, j'ai trouvé mon mari. Bon, ça va, il a l'air très très bien bâti, le gamin. Hein. Invite à rester dans les... Oh, non. Mais par contre, tu dis au revoir. Louise, tu dis au revoir. Puis et il est 22h, après tu rentres. Mais. Louise! Bon, ouais, tu dis au revoir. Ou tu. Oh, je pense qu'on va. On va juste rentrer parce que là. Elle me casse les bonbons. Et puis, c'est très bien. Avec Julien, allez, on va le présenter aux parents. Voilà! On est à la maison. Oh punaise. Ah, ça commence. Ok.
Ok. Tu vas viendre. C'est bien, il fait le ménage, lui. Pouf, pouf, pouf. Tu vas... On va appeler à table, comme ça, lui aussi va venir manger. Tu vas... Tout le monde va faire connaissance. Bernard? Tu peux récupérer ça? Qu'est-ce que tu faisais avec tes plantes? Finalement, lui, on l'a tellement fait faire les plantes depuis le départ du jeu, de la série, de challenge, je veux dire, que ça y est, hein, il est à fond avec ses plantes. Toi? Non, tu vas pas prendre un bain de mousse. Est-ce que ton linge, il est sec? Toujours pas. Ok. Lui, il est aux chiottes. Bon, on va faire ça. C'est-à-dire que Louise, elle va rentrer à la maison avec son amoureux. Tout le monde va faire sa connaissance. Tu pourrais bien t'habiller quand même, Joséphine, là. Ça va pas, hein? Présentation chaleureuse. Bonjour, mon futur gendre. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Le mariage, c'est dans 3 jours. Dans 2 jours, même, je dirais. Oh, regardez les jumeaux! Arthur de Saint-Paul, Julien Garnier. C'est beau, hein? Ils sont bien habillés. Hein, moi j'aime bien. Ben oui, c'est vrai que il est encore ado, donc il faudrait qu'on le vieillisse en même temps que Louise. Voilà, tout le monde va se présenter à Monsieur Julien. Amical. Amical. Et amical. Il va se dire, oh punaise, ça en fait une famille de roues. Il veut dire une rose. Se tenir par la main. Voilà. C'est-à-dire qu'en début d'après-midi, elle ne le connaissait pas. Et là, ça y est, il mange en famille. Et, enfin, il mange avec sa famille à elle. Et le mariage sera célébré très peu de temps. Voilà. Tiens, Pierre-Nard, faut que tu fasses connaissance de ton futur gendre. Comment s'est passée la journée? Ah ben, j'ai rencontré... Alors, ce matin, je me suis levée, j'étais en cours. Après, je me suis baladée vers le parc, j'ai rencontré votre fille. Elle a commencé à me faire du rentre-dedans, elle m'a embrassée. Maintenant, je sais que je dois me remarier avec elle. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Discuter des techniques de danse. Allez, vu qu'il est machine à danser. Tu peux faire... se tenir par la main avec ton mec? Tiens, si tu veux, tu pourras faire la vaisselle aussi, si tu t'ennuies. Bon, alors, sinon, à part ça, Albert, est-ce que tu as fait tes devoirs? Va faire tes devoirs. Arthur, est-ce que tu as fait tes devoirs? Va faire tes devoirs. Gustave, il avait abandonné ses devoirs tout à l'heure. Où est-ce qu'il les a mis? Où est-ce qu'ils sont? On n'en sait rien. Maman, non, t'as jamais eu de devoir. Toi, tu vas le filer à ton frère. Voilà. Et Germaine aussi. Hop, devoir. À un moment donné, hein. Et elle est partie faire une toile. Bah écoute, ouais, vas-y. Ah non, contempler. Pourquoi tu fais une toile enjôleuse alors? Vu que tu es d'humeur et... divertissement, c'est pas trop ça. Ça, c'est le frère et son mec, il est là. Qu'est-ce qu'elle... Non, elle est repartie dormir dans... Je vais essayer d'être zen avec les lits, hein, parce que ça n'a toujours pas été rectifié. Non, non, non. Tu as partagé un secret. Tu vas demander de regarder les étoiles avec ton mari. Tu vas l'enlacer. Voilà, ça. Vous allez pas faire de bêtises. Tout le monde est studieux. Tu sais que tu peux discuter avec ton mec. Ah, elle va être malade. C'est super. Est-ce que vous pouvez échanger Non. À une époque, on pouvait échanger des anneaux, là, une espèce de fiançailles, mais adolescente. Ah, il pleut. Faible pluie et possibilité. Voilà, ça va être l'anniversaire de Louise.
tranquillement. Il est en train de danser, le mec. Par contre, je suis pas sûre que ce soit de la musique. Changer de station et mettre de la musique baroque, s'il te plaît. Voilà, la responsabilité d'Albert. C'est parfait. Bah, va pisser, cocotte. Et après, tu vas te... Tu vas... Voilà. Tu feras ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas danser, non? Ah si, pardon. Je vérifie ce qu'ils font. Ah bah oui, ils regardent les étoiles. Oh, je suis pas sûre que tu vois quelque chose, Joséphine, parce que t'as un toit au-dessus de toi. Enfin, même Pierre Noir, mais... C'est pas grave. On ne leur dira pas. Que je me trompe pas. Donc oui, tu vas... Non, tu vas pas être dans le buisson. Tu vas pas être méchante avec ton amoureux. Tu vas danser avec lui, déjà. Non, amical. Tu vas discuter de la paix dans le monde si tu veux. Dans ce cas-là, tu iras ici faire pipi comme une championne. Ou pas, hein? Va juste pisser, t'as raison. On n'est plus à ça près maintenant. Je dirais rien, mais Germaine n'est pas dans son lit. Je vous ai dit, je ne dirai rien, j'essaye d'être zen. C'est un travail, je vous fais dire, je ne ferai pas dire, mais voilà. T'as fini ta toile? Tu pourras la vendre. Non, non, tu vas pas la... Non, ça y est, elle est déjà là-haut, elle m'énerve. Est-ce qu'il est parti, Jean-Hude, là? Julien? Ouais, il a l'air. J'ai pas dû voir la notif. Non, il est, je sais pas où il est. C'est pas grave. C'est pas grave. Il reviendra. Bon, ma petite. Ah bah écoute, tu t'évanouis un peu. C'est là pour lui remonter le divertissement, ça va être encore quelque chose. Je lui ferai bien faire la vessive. Le problème, c'est que voilà. Ah non, il y a ça. Bon alors non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais lui faire jeter. Elle sera contente. Alors, j'ai pas eu le temps de récupérer le linge. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça a lâché. Donc, Pierre Nard, il a été réparé. Pourtant, il goûtait encore. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est trop longtemps que je le laisse, mais s'il goûte encore, moi, je peux pas faire de miracle. Sinon, ça va pas. Ça fait des vêtements qui sont mouillés. Alors, je sais pas pourquoi, mais elle a la nausée. Qui n'allait pas. Allez, ma petite Louise. Putain, mais va jeter ça. En plus, on n'a pas d'ordinateur, donc pour te faire prendre des médicaments, ça va être quelque chose. Hein. Il est 6h du mat. Je peux monter à l'étage, s'il vous plaît? Va dormir. Immédiatement, tout de suite. Et Gustave, lui, il est déjà levé. Oh. Gustave va prendre là. Ah bah ouais, mais j'avais pas vu qu'il était 6h du matin. Mais elle va devoir aller en cours et tout. C'est pas possible. Mais tous ces enfants puent, en fait. Je pense qu'elle ira pas en cours non plus ce jour-là. Bon, bah moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode un peu long. Mais on a trouvé le futur mari. Louis. Elle devient adulte et puis, enfin, je suis adulte et s'en suivra le mariage rapidement et la conception du premier enfant. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous donc pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut.